Hey, salut tout le monde, ça c'est Léponge, je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. On se retrouve sur Minecraft pour vous présenter la maison de Monsieur Fermier. Mais là, je vous présente tout d'abord l'avancement du chantier, du projet. Bah, là, c'est qu'est-ce que vous en pensez de ce monument? Vous voyez quoi là exactement? On va voir vite fait, on regarde vite fait. Est-ce que l'idée, ça vous plaît? Alors dites-le-moi dans le commentaire, s'il vous plaît. Donc maintenant, on va aller voir maison de fermier. Alors, nous y voilà devant la maison du fermier. Alors, il m'a pas dit d'aller visiter sa maison, mais sauf que c'est mon voisin. Et comme c'est mon voisin, j'ai envie de voir ce qui se passe dans sa maison. Mais on va découvrir ensemble, mes amis. Mais avant, on va découvrir ses potagers. Donc ici, je pense qu'il a planté des patates. Ah, il a mis ça bien, hein? Il a fait ça bien, franchement. C'est avec les vitres là, je trouve ça très très beau. Je pense qu'il a fait ça pour faire pousser les légumes plus rapidement possible. Mais par contre, je me demande pourquoi il n'a pas fait sur les autres. Mais bon, ouais, après, c'est son goût à lui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces manières de construire? Alors moi en tout cas ça me plaît très très bien comme ça. Alors il a laissé des coffres à côté, c'est pour sûrement stocker tout ce qui est tous les récoltes. Ouais. Bon, ah, il manque un coffre ici. Ah, bah, je pense qu'il vient tout juste de planter, donc du coup il n'a pas eu forcément le temps besoin pour le moment. Et là, on a une pastèque. Ici, si je m'abuse, ça doit être du. Alors là-bas, cette citrouille, je me suis trompé. Là, ça doit être des pastèques. Là, c'est des patates. Et ici, on a les cannes à sucre. On a besoin de sucre et des papiers en même temps. Donc, du coup, il a fait les trois composants qui sont. Enfin, les trois récoltes qui sont, on va dire, importants pour la suite de la survie. Et du coup, même sous sa maison, il a eu l'idée de mettre aussi des plantations sous sa maison. Hein, c'est une bonne idée. En tout cas, moi, je vous conseille de faire comme ça parce que ça, si vous aimez bien du pain et tout ça, bah, à manger, pour que ce soit la viande, je vous conseille de faire pousser en dessous. Ça fait pousser plus rapidement. Et pareil hein, pour les carottes et betteraves, il a mis aussi en dessous. Bah, tout ça pour les potions, ouais, ce serait bien aussi tout ce qui est carottes. Carottes, c'est bien pour les potions. Et maintenant, on va visiter sa maison. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Moi, je pense que ça va me plaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Ouais, j'ai oublié de vous dire, mais il m'a pas envoyé message. Enfin, si, je vous ai dit au début de la vidéo, il m'a pas envoyé message. Alors, du coup, je m'incruste chez lui. J'espère qu'il va pas rentrer plus tôt. Donc, du coup, il est parti voyager. Hein. La maison fermier. Donc, il a marqué ça dessus. Voici, on est dans l'entrée. Il y a le couloir. Ah, il a un bon petit tableau là. Là, j'imagine que vous savez, c'est comme dans le restaurant, là, une espèce de plat, la couverture. Là, j'aime bien. Mais par contre, le plafond, je trouve que c'est un peu trop haut, à mon avis. Alors, je pense que c'est salle de bain et toilette. Je pense. En tout cas, c'est très, très beau. Je trouve ça très beau, très bonne idée. Il a mis des tableaux autour de la baignoire, mais bon, baignoire, je pense qu'il aime bien avoir des baignoires un petit peu gris, et puis ça reste baignoire, hein. Et ici, ben, lavabo, il n'a pas trouvé, enfin, on va dire c'est haut de gamme, hein. En même temps, je trouve que c'est du haut de gamme, on trouve que c'est moche, mais c'est du haut de gamme, hein. Ouais, il a bien décoré sa baignoire, enfin, baignoire, salle de bain et toilette, je pense qu'il ne doit pas s'ennuyer. Et j'imagine que chez vous, vous devez vous dire que voilà, il a mis la vitre dans la salle de bain. Mais à mon avis, c'est la vitre teintée, donc on ne peut pas voir, même avec de la lumière à l'intérieur.
Et je pense que c'est pour voir à l'extérieur pendant qu'il prend sa douche ou il se brosse les dents. Là, ici, je pense que nous sommes dans la cuisine, mes amis. C'est pas tout à fait fini, je pense. Il est en train de décorer sa cuisine, mais c'est pas fini. Et je pense que le plafond, il va l'améliorer. Voilà. Bah, il a bien décoré, en tout cas. Hein. Il a bien décoré à l'intérieur de sa cuisine. Il a tout ce qu'il faut, hein, le fermier. Hein, voilà. Il doit avoir beaucoup de thunes. Hein. Franchement, tout ce qu'il a, rien que dans la cuisine déjà. Mais, ah oui, pas de table. Pas de table dans la cuisine, pas de chaise. Je pense que c'est fait exprès, vu l'espace. On va rentrer dans la salle à manger. La salle à manger. Oh, une grande table de luxe en plus. Franchement, j'adore cette table. C'est très, très, elle est très grande. Par contre, la salle est beaucoup plus petite que ce que j'ai pensé. Il a bien décoré, il a mis sa grande télé comme je les aime. Et un petit bibliothèque par-dessus. Hein. Franchement, c'est vraiment le top du top. Il a un bon goût, il a mis des fleurs. Il a mis un petit peu de coffre. Ah! Côté musique. Malheureusement, je ne peux pas vous mettre parce que moi, je ne l'ai pas sur moi là. Je ne savais pas qu'il en avait table de musique. Donc voilà. Voilà. Il a mis des tableaux un peu partout. Franchement, il a un bon goût, monsieur le fermier. Franchement, c'est trop, trop bien. Ah, je rentre comme ça dans la chambre, je pense. J'imagine que c'est dans la chambre. Oh, la petite télé à l'ancienne. Oh, avec le petit boss et tout derrière. À l'ancienne, franchement. Ça, il a gardé, je pense que c'est pour le souvenir. Mais par contre, il n'a pas de tableau du tout dans la chambre. Il a sa petite bibliothèque avant de dormir. Est-ce que je peux me coucher? Ah non, s'il ne fait pas nuit. Ah, puis je ne peux pas dormir là. S'il va me rattraper, je pense qu'il va me chanter des mots. Voilà, on a fait le tour. Hein, on a fait le tour. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. C'est vrai que. Par terre, par contre, il manque des tapis, mais bon, les tapis, je pense que c'est pas très très important dans la maison. On a fait le tour ensemble et puis le plafond amélioré. Hein. Ben, je vais partir vite fait avant qu'il me rattrape. Hein. Je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer chez moi avant qu'il me rattrape. On va faire le tour avant que je pars. Hein. Donc, je rentre chez moi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la structure de la maison? En tout cas, il a bien son architecte là, il a bien imaginé le truc. La maison on va dire, je sais pas trop comment dire ça, mais en tout cas, ah oui, pas plein pied, si on va être court. Il a mis ça un peu en semi-hauteur pour qu'il puisse mettre ses petits potagers. Hein. Je pense que le fermier, il est à la retraite. Voilà. En tout cas, comme j'ai dit, n'oubliez pas de cliquer sur like, de faire partager. Et puis toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, ben, je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!